Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août. Alors j'espère que vous avez la forme. Alors les béliers, pour vous, et comme pour tous les signes d'ailleurs, on va voir tous les domaines de vie avec le mot les finances, le travail, les activités, les surprises. Et dans un second temps, nous verrons le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Alors avant toute chose, je vais juste regarder la coupe du mot. Alors, il y a une carte qui s'est échappée. Il peut y avoir, ok, des regrets, de la tristesse. Avec cette carte-là, ça me parle d'en avoir un petit peu gros sur le cœur par rapport à une personne ou une situation. Donc, on va voir comment ça va se décanter, si ça va bouger. En tout cas, vous avez la roue de la fortune pour la première carte du tarot. Avec le mot, ici, on parle de transformation. De transformation par rapport aux émotions. De transformation par rapport au lien de cœur. Et si le serpent, je vois plus comme une transformation plutôt qu'une trahison. Parce que si le mot trahison me vient en tête, c'est plutôt dans cette notion de se dire ce que je vis ou ce que je pense en ce moment, ça me déroute un petit peu, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Il y a des parts d'ombre, il y a des choses à régler. Et derrière le cœur, on a un blocage. Donc il y a peut-être un manque de confiance en vous, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais ce que je ressens pour vous, c'est j'ai pas envie de faire d'efforts. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle ici de cette notion de... Parfois, on n'a pas envie de faire d'efforts et c'est comme ça. Parce qu'on a trop fait, parce que c'est pas le moment, parce qu'on ne se sent pas. Donc, il y a une blessure dans le cœur, mais c'est plutôt par rapport à vous-même. Bon, le tarot est très positif. En tout cas, parce que vous avez ici la roue de la fortune pour vous. Et cette roue, c'est quand même une carte magique, magnifique, qui nous dit qu'il y a des choses qui se réamorcent, des énergies ici qui se remettent en route. On peut parler de déblocage, on peut parler ici de chance qui revient. Parce que la roue de la fortune, comme son nom l'indique, la fortune, c'est voilà, un coup de pied du destin qui vient réamorcer des choses positives pour vous. Donc voilà, il y a un décantement de situation. Cette roue de fortune, elle est accompagnée de l'as de coupe. Donc, nouveau cycle émotionnel. C'est pour ça que je parlais de quelque chose à arranger par rapport à vos émotions. Même si ce n'est pas toujours facile dans le sens où parfois, on n'a pas envie de faire des efforts et c'est comme ça. Mais heureusement que ce n'est que de courte durée. En tout cas, ça ne peut pas s'étaler sur des années ni sur des mois. Ça peut durer quelques semaines, voilà, où c'est un petit peu lourd. Mais on se dit, voilà, j'ai quelque chose ici à comprendre ici. Et quoi qu'il en soit, les énergies vont pouvoir se réamorcer pour vous. Alors, roue de la fortune, as de coupe, ça pourrait me parler d'une rencontre, d'une surprise inattendue, d'un nouveau cycle positif émotionnel. Parce que vous avez justement... dans votre partie positive pour vous, le pape. Donc c'est soit une énergie d'une personne qui est là pour vous guider, pour vous conseiller. Ça peut être une énergie également de vous-même dans le sens où vous avez envie d'aller trouver des réponses dans votre intérieur. Trouver ce qui est juste, trouver ce qui est bon. Alors c'est pas que je tremble, c'est parce que je fais les cartes debout aujourd'hui. Et du coup, tout en respirant, mon bras tremble et la carte aussi. Donc ce pape ici, il est très positif. Moi, j'aime bien le voir en position favorable parce que c'est comme une invitation à aller dans votre intérieur pour trouver un éclaircissement, pour trouver vraiment ce qui est juste pour vous. Pour d'autres béliers, il sera question ici de se remettre dans le droit chemin. Mais je parle d'un point de vue émotionnel par rapport à soi-même. Je me reprends en considération. J'ai envie de me retrouver, j'ai envie de me recentrer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie ici... même si ça a été un peu dur ces derniers temps, de faire un effort émotionnel sur quelque chose. Donc ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une personne également. Quoi qu'il en soit, ce pape, il est positif parce qu'il y a quelque chose de doux. Il y a l'idée de compréhension, il y a l'idée de douceur qui en ressort. Le pape et l'as de coupe peut nous parler également d'une rencontre avec une personne sage, voire plus âgée que vous-même. Alors, ici, on va vous dire ce qu'il faudra travailler, c'est ce 9 de denier. C'est comme si vous les baigniez, vous vouliez tout de suite. Vous vouliez foncer peut-être, oui, peut-être tête baissée dans une situation. Et on vous dit, il y a des choses qui ne sont pas parfaites et c'est comme ça. C'est ça la vie, de toute façon, tout n'est pas parfait.
Et ce 9 de denier, il va vous dire, mais regardez autour de vous, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont positives, il ne faut pas voir les choses en noir. Voilà, si on n'a pas tout de suite, si on n'a pas exactement ce qu'on veut, regardez ce qu'il y a autour de vous, si vous avez la santé, si vous êtes bien, si vous avez réussi tel ou tel projet, regardez vous-même, faites un bilan de cela avant de pouvoir juger, oui, d'une façon un petit peu rude, un petit peu dure, du « je n'ai pas ce que je veux, donc je ne suis pas satisfait ». Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, ce 9 de denier, il nous parle également de quelque chose, ça peut être vous-même également, qui a de la valeur. Il pourrait y avoir un blocage en ce sens. Donc moi, ça pourrait me parler d'un lien avec une personne ici, alors ça peut être sentimental, familial, amical, où il peut y avoir un manque de compréhension et d'un blocage ici. On a du mal à comprendre des choses, on a du mal à y voir clair. Le 9 de denier peut nous parler également du côté matériel et financier, ou il pourrait y avoir quelque chose à revoir avec une personne. Donc là, quand je parle de personne, c'est peut-être le banquier, même si le pape, ça n'a rien à voir pour le coup, mais une personne importante qui peut être en lien avec vos finances ou le domaine professionnel. Bon, ce qui va vous aider ici, c'est ce 2 d'épée. Ça, j'aime bien parce que ça nous dit on tranche, on décide, on enlève le masque de la confusion, on met le masque de l'irréalisme et on se repositionne. On peut enfin équilibrer les choses. Donc on voit qu'il y a également un élan au niveau des réflexions, au niveau du mental, dans le sens où vous allez comprendre quelque chose. Et je pense que le cheminement, c'est oui, tout ne peut pas être parfait, mais ça va quand même finalement. Donc vous ôtez le masque de la confusion et vous arriverez à décider quelque chose et à cheminer également. Votre état d'esprit à la fin, c'est le valet de couple, mais on verra ça à la suite du tirage. Alors, je vais prendre trois cartes pour le domaine financier pour vous, mes chers béliers. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que je suis dans une pièce où c'est assez cloisonné et j'ai l'impression que tout est décuplé finalement. On a le côté éphémère des choses, donc on parle également de mouvement sur une situation qui vous tient à cœur financièrement. On parle également d'émotions qui sont en allées et venues. Donc, il y a du mouvement sur un point de vue émotionnel. Ça peut aller, ça peut moins aller. Il y a comme l'idée de remue-ménage par rapport à quelque chose de financier. Et on va retrouver le serpent. Alors, c'est incroyable parce que j'ai quand même ici mélangé les cartes. Donc, je vous ai fait la coupe. J'ai pioché au hasard trois cartes. Et on retrouve le serpent et le cœur. Donc là, on ne va pas se mentir. Sur le plan financier, il pourrait s'agir d'une déception. Je prends un exemple, vous étiez en attente d'un crédit, vous étiez en attente d'une réponse par rapport à vos projets, par rapport à vos finances, et il y a quelque chose qui coince ici. Il y a quelque chose qui coince parce qu'on nous dit peut-être que vos aspirations, vos envies, ce n'est pas qu'elles étaient de courte durée, mais il y aura quelque chose à revoir, peut-être avec une personne par rapport à un engagement ou une signature. Alors, ça m'intrigue un petit peu. Je vais prendre ici abstrait le normand pour regarder de quoi il pourrait s'agir. Alors, j'ai une autre signification où toutes les personnes qui ont voulu ou qui ont prêté de l'argent à une autre personne se verront ici avec un petit goût d'amertume. On voit bien que le cercueil va nous parler de blocage et on retrouve le serpent, c'est incroyable. Donc effectivement, il y a un blocage pour moi dans le domaine financier, soit par rapport à une personne, soit par rapport à vos attentes. Alors, c'est pas forcément que tout est figé ici pour le mois d'août, mais on peut parler de stand-by et de contrariété. Le serpent, c'est également une carte de transformation. Donc ici, on va vous inviter à avoir d'autres perspectives par rapport à vos finances et par rapport à vos souhaits. Pour le domaine professionnel, pour vous les béliers, on va avoir le retour. Il pourrait s'agir ici de revenir sur des objectifs, sur des perspectives, sur le domaine professionnel. Alors, si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme vos activités.
Et ça va me parler également de devoir revenir en arrière sur une situation, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit également en lien avec l'entourage professionnel, où il va s'agir ici de découvrir quelque chose qui va créer du mouvement dans les émotions. On peut parler du retour d'une situation ou le retour d'une personne. Pour ceux qui sont en lien avec amour et travail, c'est possible. Et on va avoir ici une illusion. Eh bien, dis donc. L'illusion, c'est une carte qui est négative dans le sens où il y a quelque chose à revoir ici. Donc on va vous demander, avec la carte du pape, qui est dans votre côté positif, d'avoir la capacité de faire les choses qui sont justes pour vous. Et j'ai l'impression que professionnels et financiers sont liés. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, il va falloir ici revoir le domaine professionnel par rapport à une personne. Alors, on a la découverte. Cette découverte, elle vous fait revenir en arrière avec la carte du retour. Elle crée peut-être des désagréments, mais moi, ce qui est positif, c'est que la vérité, vous allez le voir. Pourquoi je parle de vérité? Parce qu'on a ce 2 d'épée dans la position d'aide du tarot, donc vous allez ôter le voile de la confusion par rapport à cette situation professionnelle et financière, et vous allez arriver à décider ici, à cheminer. Donc ce serpent, c'est également l'idée de la peau du serpent qui mue. Donc il y a une transformation sur la vision des choses. Ouais, ça sonne bien, ça me parle bien, c'est une transformation sur la vision des choses. On va avoir ici le côté financier en rapport avec les finances, mais on peut parler de l'ours comme un patron. Alors, j'inclus dedans également l'administration. On aura cette notion de choses qui sont un petit peu cachées à un moment donné. La lune peut nous parler d'illusions, vous voyez. Il y a des attentes professionnelles en rapport avec les finances pour certains béliers. Ça peut être le fait de vouloir des primes, de vouloir telle modalité changeante sur un contrat. Et il y a bien quelque chose à régler. Donc en ce sens, vous allez pouvoir changer vos perspectives et votre vision des choses. Pour d'autres béliers, il faudra ici arranger une situation avec la hiérarchie. Pour vous, la surprise pour les béliers. Alors, on aura l'équilibre qui va revenir, on aura le mouvement d'une situation et on aura la balance qui nous parle d'équilibre. Équilibre que je vous ai cité tout à l'heure avec le 2 d'épée. Donc, on voit un mois un petit peu difficile, mais votre capacité, c'est justement, ok, je prends le temps, je réfléchis, j'analyse et je fais ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Donc, on a ce valet de coupe à la fin du mois d'août. C'est un nouveau cycle émotionnel, c'est une nouvelle façon d'émotionner les choses, donc de ressentir les choses. Donc il y a un réajustement ici par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Cette ligne ici qui nous parle des surprises, en parallèle, elle peut nous parler de bien-être qui revient par rapport à l'administratif, à la justice également, c'est possible avec la balance. On peut avoir également cette notion de déménagement, de voyage ou d'un rapport par rapport à une personne étrangère où il y a cette notion ici d'un bien-être qui revient. On a peut-être le retour ici de quelqu'un de cœur. Donc il faut le voir soit sentimentalement, soit quelqu'un avec qui on avait des affinités. Ça peut être quelqu'un de la famille qui revient, c'est possible. Hein, ça peut être de l'amitié. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de faire les choses comme avant. On a bien, vous voyez, c'est incroyable. On a cette roue de fortune et l'as de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient ici. Donc vous prenez au sens large, pour certaines personnes ça sera un ex, pour d'autres ça sera quelqu'un de la famille, un vieux cousin, une vieille cousine, je ne sais pas, mais quelqu'un qui revient. Il y a quelque chose à régler quand même, parce que moi je vous sens incertain. Et c'est comme si dans cette relation, vous vouliez que tout soit parfait, que tout soit comme vous le souhaitez, mais c'est jamais le cas finalement dans la vie. Voilà, parce qu'on doit s'adapter, tout est changement, tout est mouvement, et justement on a la capacité de s'adapter.
Donc vous avez plutôt une belle surprise qui annonce l'idée de vous réajuster confortablement pour vous. La carte centrale, c'est la carte de la découverte. Et ça nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va être découvert, quelque chose de nouveau pour vous. Ça me parle également de conscientisation, quelque chose que vous allez comprendre. Et même si émotionnellement ça crée le fait de revenir, ah oui, peut-être que j'avais su, mais avec des si, on peut refaire le monde finalement. Et c'est plutôt ces si, et les peut-être, et peut-être que j'aurais dû, etc., qui vont un petit peu vous prendre la tête. Mais ce pape est vraiment bénéfique dans le sens, il va vous aider à vous poser. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Que dois-je faire pour retrouver un bien-être? Ce bien-être, vous le retrouvez. Il y a ce retour de l'équilibre. Et c'est parce que vous allez cheminer, vous allez travailler sur que dois-je faire pour me sentir mieux, que les choses pourront ici se réajuster par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Les quatre coins du jeu nous parlent bien d'équilibre, d'équité retrouvée, et on voit que s'il y avait des troubles, eh bien ceux-ci vont se transformer. Alors ok, il y a quand même des petites choses futiles, impalpables, mais je pense que vous avez l'intuition, ça me parle de ça, vous avez l'intuition. L'intuition, je la ressens aussi avec la carte de la découverte et la carte de la lune, et je pense même que c'est vraiment une grosse intuition. Donc j'ai envie de vous dire, les béliers, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais faites-vous confiance, parce que c'est quand même cette découverte, cette conscientisation, cette compréhension qui va vous permettre ici de passer un cap. On voit que effectivement, il y aura un changement sur une façon d'émotionner une situation ou une personne ici. Alors, on va regarder sur le côté sentimental. Pour vous qui êtes en couple, mais également les célibataires. Alors, il est possible que j'ai des messages pour les triangulaires. Si ça ressort, je vous le dirai. Et bien sinon, ben, je vous le dirai pas. Alors, je reviens juste 2 secondes. Alors. Ah ben, j'ai juste ouvert la fenêtre parce que honnêtement, j'en pouvais plus. Hein. Il fait vraiment chaud. Alors les béliers, sentimentalement, pour le mois d'août, qu'est-ce qui se passait sentimentalement pour les béliers, pour le mois d'août. Alors, pour certains béliers, ça va me parler d'un homme, alors à moins que ce soit vous cet homme, qui revient ici, alors qui vient, ou si vous êtes en couple, qui est déjà présent. Mais on vous annonce ici une réconciliation, on vous annonce un mieux-être, un rapprochement, l'idée de partager à nouveau, et il y a peut-être même la guérison d'anciennes blessures. Effectivement, pour les célibataires, on peut parler d'une personne du passé qui revient. Un homme sur votre chemin, ou si c'est vous qui êtes l'homme, en vue d'une réconciliation. Pour la coupe, on a ici des peurs, donc de la méfiance, de la réticence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures à certains moments donnés, il y a eu des déceptions, il y a eu le fait de se sentir trahi, voire pas à sa place. Alors pour d'autres personnes, il a été clair ici qu'on puisse parler de trahison. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On continue ici, nous avons l'enfant qui nous parle de racines, on retrouve l'équilibre qu'on a eu avec le mot, et la maison qui nous parle de famille, également de maison. Donc pour faire une lecture vraiment simple, dans le sens où je ne vais pas blablater pour dire n'importe quoi, on a vraiment l'idée d'un confort qui revient pour vous les béliers. Ça me parle de rapprochement pour le couple, s'il y a eu des frictions, des tensions, ce genre de choses-là. Et s'il y a eu, voire une séparation pour d'autres personnes, on a l'idée ici qu'on se rapproche, mais tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler sur ce qui est important pour nous, sur nos racines, sur ce qui a de la valeur, comme des croyances, comme des valeurs, hein, simplement. Donc j'ai dit le mot valeur, mais c'est valeur. Et ce bien-être reviendra ce mois d'août, avec quand même cette envie de mettre tout de même des barrières. Pourquoi? Parce qu'on souhaite faire attention, ne pas aller trop vite, ne pas faire n'importe quoi. Donc là, ça peut parler au triangulaire, célibataire, et même pour les couples qui se reconnaîtront. Il peut y avoir pour vous également des projets maison.
avec cette notion de projet qui se réamorce, qui se construit, voilà, et qui s'impacte dans le temps avec une durabilité. On a, quoi qu'il en soit, un sentiment de confort ici pour le cheminement d'août. En continuant, on a éphémère. Je crois qu'éphémère, on l'avait eu également, à côté du cœur. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à un homme, à moins que ce soit vous, cet homme, et ça va vous inviter par rapport à la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou même familiale, à aller chercher des réponses dans vos racines. Et c'est le pape qui vient vous dire de quoi ai-je besoin ici, qu'est-ce que je dois faire pour me réajuster, pour me retrouver. Donc beaucoup de sagesse, hein. Beaucoup de sagesse en mettant des limites, en faisant les choses calmement et confortablement. On verra qu'il y aura de la communication. Donc là, pour les célibataires, pour moi, c'est un passage un petit peu furtif avec une personne, le retour d'une personne, où peut-être il y aura des choses à régler dans le but d'une guérison émotionnelle. Pourquoi je parle de guérison ? Parce que l'enfance, c'est la racine. C'est tout ce qui est profond et important pour nous, comme les valeurs, les croyances, l'expérience avec la personne, pour, en vue de la communication, pour pouvoir se rééquilibrer. Pour les triangulaires, on verra qu'également, il y aura de la communication. Alors, on a l'enfant, même si c'est une carte qui me parle beaucoup de tout ce qui est important à l'intérieur de nous, ça va me parler également, bien sûr, d'enfants et de projets. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a l'idée de projet qui se construit, qui se réamorce et qui se décante pour les béliers qui sont en couple. Il peut s'agir également d'une harmonie qui revient par rapport à des enfants ou un enfant en particulier. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder trois cartes pour ce qui est positif pour vous sentimentalement et trois cartes pour ce qu'il y a à travailler. Alors, ce qui est positif ici, c'est la capacité de mettre au clair certaines choses, parce qu'on va pouvoir ôter la confusion, ôter, le masque de la confusion, et on voit que vous arrivez à trancher, décider, dire les choses, cheminer, prendre une décision, pour pouvoir ensuite retrouver plus de légèreté, retrouver plus de joie. Ça me parle également de moins se prendre la tête et de profiter de ce qu'il y a. Et d'ailleurs, on vous invite ici, on dit ce qu'il y a à travailler également, c'est cette notion de prendre en considération qu'il y a plein de choses magnifiques autour de nous et que même si tout n'est pas parfait, prenons en compte ce qui est beau. Et ça fait vraiment du bien. C'est un exercice que je fais parfois. Et voilà, si je râle ou quoi, je me dis, oh là là, quand même, respire, ça va, tu as la santé, t'es bien, etc. Voilà, c'est le côté où on veut tout maîtriser. Le fait de se dire, ça va, j'ai des bonnes choses à côté, tout est mouvement, je travaille pour, donc ça va aller. Donc pour moi, ça va aller pour vous les béliers. Vous faites un effort et vous avez la récompense. Et cet effort, comme je disais au tout début du tirage, c'est un travail émotionnel. Ne pas voir le verre à moitié vide et travailler dessus. L'amour revient, les échanges, le partage, mais également cette notion de confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faudra travailler ici en plus de ce que je vous ai dit ? Alors attention à certaines ambiguïtés par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Attention à des choses qui sont cachées ou voire trop intérieures sur le point de vue émotionnel. Parfois on veut garder les choses pour nous et on rumine, on cogite et on bouillonne finalement de l'intérieur. Et pour d'autres personnes, il faudra soit travailler la discrétion ou justement, dévoiler certaines choses pour justement enlever les problèmes et la perturbation. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite de passer d'agréables vacances pour ceux qui sont en vacances et un très bon mois d'août.